Et maintenant, voici les images de la leçon. Je te les présente. Boulangerie. C'est le pain à la boulangerie. Baleine. C'est l'animal qui vit dans la mer, le plus gros animal qui existe. Baleine. Bonjour. Les enfants de la main se disent bonjour en arrivant à l'école. Bouton. C'est un bouton pour attacher les vêtements. Batterie. C'est une batterie, un instrument à percussion. Bonbon. Ça c'est bon, hein, bonbon. Regarde, j'ai installé une syllabe au-dessus des images. Tu la reconnais? C'est la syllabe bon. Maintenant, cherche les deux mots qui commencent par cette syllabe bon. Je te remontre les images. Est-ce que boulangerie commence par la syllabe bon? Est-ce que baleine commence par la syllabe bon? Est-ce que bonjour commence par la syllabe bon? Est-ce que bouton commence par la syllabe bon? Est-ce que batterie commence par la syllabe bon? Est-ce que bonbon commence par la syllabe bon? Tu as trouvé les deux mots qui commencent par la syllabe bon? Bonjour et bonbon commence par la syllabe bon. Et dans bonbon, on entend deux fois la syllabe bon. Bon, bon. C'est tellement bon. Regarde, j'ai installé une autre syllabe au-dessus des images. Tu te souviens laquelle c'est? Bou, c'est la syllabe bou. Qu'est-ce qui commence par la syllabe bou? Est-ce que c'est boulangerie qui commence par la syllabe bou? Est-ce que c'est baleine qui commence par la syllabe bou? Est-ce que c'est bonjour qui commence par la syllabe bou? Est-ce que c'est bouton qui commence par la syllabe bou? Est-ce que c'est batterie qui commence par la syllabe bou? Ou est-ce que c'est bonbon qui commence par la syllabe bou? Cherche les deux mots qui commencent par bou. Tu as trouvé? Boulangerie et bouton commencent par la syllabe bou. Regarde, j'ai installé la dernière syllabe au-dessus des images. Laquelle c'est? C'est la syllabe ba. Qu'est-ce qui commence par la syllabe ba? Choisis les deux mots qui commencent par la syllabe ba parmi boulangerie, baleine, bonjour, bouton. Batterie, bonbon. Quels sont les deux mots qui commencent par ba? Tu as trouvé? Baleine et batterie commencent par la syllabe ba. Regarde, j'ai installé ensemble, côte à côte, les deux mots qui commencent par la même syllabe. Maintenant, à toi de trouver cette syllabe et comment on la forme, la syllabe, avec quelles lettres et quels sons. Tu es prêt? Alors, qu'est-ce qu'on entend au début de batterie et de baleine? C'est la syllabe ba.
Comment fait-on la syllabe ba? Il faut d'abord le b qui fait b. Et quelle autre lettre faut-il pour faire ba? Il faut le a. Ba. Ba est la première syllabe de batterie et de baleine. Et maintenant, trouve la première syllabe de bouton et de boulangerie. Qu'est-ce qu'on entend au début de bouton et boulangerie? C'est la syllabe bou. Mais comment fait-on cette syllabe bou? Il faut d'abord le b qui fait b. Et puis, quelles autres lettres faut-il pour faire bou avec le b? Il faut les deux lettres o et u pour faire ou, et avec le b pour faire bou. Bou est la première syllabe de bouton et boulangerie. Maintenant, trouve ce qu'on entend au début de bonbon et de bonjour. On entend la syllabe bon. Comment fait-on cette syllabe bon? Il faut d'abord le b qui fait b. Et puis, quelles autres lettres faut-il avec le b pour faire bon? Il faut les lettres O et N qui font ensemble on, et B et on, ça fait bon. Bon est la première syllabe de bonbon et de bonjour. Et même dans bonbon, on entend deux fois bon. Et pour finir, regarde, j'ai mis ensemble les étiquettes, les syllabes et les images. Bon, bonjour et bonbon. Bou, bouton et boulangerie. Et bas, batterie et baleine. Pour lire les mots, maintenant, regarde la vidéo suivante.